Le PDC-IRDA a décidé de suspendre les candidats indépendants sans parrainage de leur parti aux élections locales du 2 septembre prochain. Toujours concernant les élections locales, nous avons fait le tour de quelques QG de campagne pour s'imprégner de l'ambiance. Et suite au coup d'État au Gabon, l'Union africaine et la communauté internationale ont réagi. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 Minutes. Alors que la campagne électorale pour les élections couplées municipales et régionales du 2 septembre prochain bat son plein, le Conseil de discipline du PDCI-RDA, lui, se met en branle. Dans une décision signée par le président Aouzi Jules, élu par la porte-parole Marie-Christine Bocoum, plusieurs candidats indépendants, à savoir trois pour les régionales et 26 pour les municipales, ont été lourdement sanctionnés. La sanction concerne entre autres pour les élections régionales Nda Afoué Eliane de la région d'UNZI et Trazier bingessan de la Marawi. Pour les élections communales, Yasmina Wonien, candidate à Cocody et Yapo Séraphin du plateau, subissent temporairement une exclusion. Ces sanctions font suite au communiqué du président Feu-Henri Conan Bédier en date du 23 juillet 2023 et à l'appel du président intérimaire Philippe Koupli bonny du 11 août 2023 intitulé Honorer la mémoire du président Henri Conombidier, leur réitérant le retrait de leur candidature sous menace de sanctions à défaut de retrait. Les élections municipales et régionales se tiendront dans quelques jours et à l'approche de l'événement, l'atmosphère ici au QG du candidat du RHTP, Eric Tabat semble être rassurante. Quelques bousculades car il faut faire vite pour se rendre sur le terrain avec ses affiches. L'ambiance est bouillonnante, vous-même, vous, vous toutes les personnes qui sont là, qui rentrent et qui sortent. On a confiance, confiance en nous, confiance en notre candidat. Nous avons un bon candidat, nous avons un bon programme. Donc nous espérons le jour du vote pour sceller la victoire. En voiture, nous prenons la route pour un autre QG, toujours dans la commune de Cocody. Ici, la scène est moins mouvementée et le lieu est quasiment vide car plusieurs militants de la candidate indépendante Yasmina Wenien sont sur le terrain selon ce qu'on a trouvé sur place. Le QG est vide effectivement parce que ce n'est pas ici que ça se passe, tout se passe sur le terrain. Et pour qui connaît la candidate, là, ça va être proche de la population. Donc elle est plutôt avec toute l'équipe dispersée dans Cocody pour prêcher la bonne nouvelle. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance dans la commune de Cocody est identique au niveau de tous les QG visités par l'équipe de cette info. Rappelons que les élections municipales et régionales sont prévues le 2 septembre 2023. Le coup d'État au Gabon a fait réagir l'Union africaine. Dans un communiqué publié le mercredi 30 août, le président de la commission de l'institution condamne fermement la tentative de coup d'État, dénonçant une violation flagrante des principes de l'organisation continentale. Moussa Faki Mahamat appelle l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine à garantir l'intégrité physique du président de la République, Ali Bongo Odimba, des membres de sa famille ainsi que de ceux de son gouvernement. Jusqu'à ce coup d'État, le Gabon, pays d'Afrique centrale riche en pétrole, était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Les réactions internationales à ce nouveau coup d'État dans un pays d'Afrique francophone n'ont pas tardé. La Chine a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo, tandis que la France, ex-puissance coloniale, a condamné le coup d'État militaire en cours. La Russie, quant à elle, a fait part de sa profonde préoccupation, tout comme le Commonwealth, organisation que le Gabon a rejoint l'an dernier. Et pour finir, Evgeny Prigogine a été enterré dans l'intimité à Saint-Pétersbourg, en Russie. La cérémonie d'adieu pour le patron du groupe Wagner, tué dans un crash d'avion, s'est tenue en privé le mardi 29 août 2023. Aucune date ni aucun lieu n'avait été communiqué. Les fonctionnaires pétersbourgeois reconnaissent eux-mêmes avoir été tenus en dehors du secret. Dans la matinée, le Kremlin avait également prétendu ne pas être au courant de quelconque préparatifs et assuré que le président russe, Vladimir Poutine, proche de l'homme d'affaires depuis les années 90, n'avait pas eu l'intention d'être présent. Selon plusieurs sources citées par des médias indépendants russes, une quarantaine de personnes seulement ont assisté à ses funérailles. Les nombreux mercenaires et ex-combattants du groupe Wagner qui le souhaitaient n'ont donc pas pu rendre hommage à leur chef, auquel ils vouent, pour certains, une dévotion sans limite. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.setinfo.ci.